Je fais partie de la cour du roi Arthur. Qu'importe mon rang, je me trouve où? Ce n'est point là l'image que je connais du beau domaine de Monseigneur. Le roi Arthur? Ça alors, tu es un vrai chevalier? Oui, bien sûr que j'en suis un vrai. Mon nom c'est Balin, Sire Balin, pour vous servir, damoiselle. Vous êtes arrivé à pic, Sire Balin. Je m'appelle Annie Porter. Voici mon frère Kevin, Krista et Stink. Et elle, c'est Tacha. Où est Tacha? Il lui a fichu la trouille. Elle a décampé. Hop là! Hop là! Il veut que vous fassiez ça. Hop là! Merci pour aider moi. C'est un honneur, Milady. Je suis à votre service. On vous a déjà dit que vos cheveux étaient magnifiques. Ah, vous l'a dit? Ben, c'est des blagues, parce qu'ils sont moches. Mais qu'importe, ça ne m'empêchera pas de vous adorer. Hé, hey, Tacha! Tacha! Tacha, qu'est-ce qu'il y a? Salut, ma crevette. Mais qu'est-ce qui vous arrive à toutes les deux? Surprise! Tu dois fermer les yeux et triche pas, surtout. D'accord, je les ferme. Venez. C'est bon, tu peux les ouvrir. Tadam! Sire Balin, à votre service, Milord. Sire Balin. Tu te rends compte? C'est un chevalier et il nous a défendus contre les Krastox. Un chevalier? Oui. Pour me divertir, je suis aussi chasseur de dragons. Quel mec, hein? Un vrai balèze. Je suis ravi de vous rencontrer, Sire Balin, et j'aimerais assez savoir comment vous êtes arrivé ici, dans ce monde. Ça y est, tu l'as réparé, qui... Oui. Qui t'a cassé cette hache, crétin? C'est une lame magique, Shang. Une lame magique?
Tu veux dire que c'est un poignard? Un long poignard, très long. Qui détient cette lame magique? Dis-lui. Vous savez que j'ai horreur qu'on fasse des cachotteries. Dites-le-moi. Elle appartient aux humains. Aux humains? Tu veux dire les porteurs, c'est ça? Non, c'est encore un autre humain. Il a un crâne de fer. Oui. Et où se trouve donc ce crâne de fer? Nous n'en savons rien. Je te défends de dire ça. Ne t'avise jamais de recommencer. S'il y a un nouvel intrus dans mon domaine, je dois savoir où il se trouve. Et vous aussi, misérable. Oui, Chang. Si ce que vous dites est vrai, cette lame magique peut sans doute m'être utile. Vous allez me la ramener. Mais fais-toi. Je la veux, il me la faut. Approchez et ouvrez vos oreilles. Vous allez partir sur le champ. Retrouvez ce crâne de fer. Voler le long poignard et me le ramener. Vous en êtes capable? Est-ce que vous en êtes capable? Oui, bien sûr. Alors, faites-le. Une lame magique. Bien. Elle me rendra invincible. Oui. Cela s'est passé cette nuit. C'était la pleine lune et il y avait des bruits bizarres. J'étais en train de traquer un terrible dragon dans les marécages. Et subitement, je sentis le sol se mettre à trembler sous mes pieds. Et un étrange brouillard s'abattit sur moi. Mais ce brouillard, il était comment? Eh pas, c'est sans intérêt. Ah, sans intérêt? Moi, ça m'intéresse. C'est à cause d'un tremblement de terre et d'un brouillard de ce genre que nous avons été projetés dans ce monde. Il y a peut-être un rapport. Parlez, Sir Balin. Décrivez-moi ce curieux brouillard. Bien. Ça flamboyait comme un éclair. J'étais aveuglé par une lumière bleue intense. Et ça tourbillonnait et bouillonnait comme les breuvages maléfiques des sorcières. Oui. Waouh! Et après, raconte. Ouais, c'est si beau que les bras m'en tombent. Bah, après, le sol a fini par cesser de trembler, le brouillard s'est éclairci, et je me suis retrouvé ici. Où un danger menaçait Milady. Oui, nous vous serons éternellement reconnaissants pour votre aide, Sir Balin. Excusez-moi. Tu peux m'expliquer? Il est plutôt grossier avec lui. Oh, ne me dis pas que tu crois toutes ces salades. Ce Gus est carrément un bluffeur. Je dois reconnaître, je ne sais plus trop ce qu'il faut penser dans ce monde. Mais il y a de fortes chances qu'il soit réellement ce qu'il prétend être. Un jeune homme d'une époque passée. Faut pas lui en vouloir, Balin. C'est sa crise d'adolescence. J'ai entendu dire que c'est terrible à vivre. Je comprends parfaitement, damoiselle. J'ai moi-même vécu cette difficile période. Je l'avoue, j'ai connu l'âge bête. Enfin, ça fait un sacré moment déjà. Tu es sûr qu'il n'y a pas autre chose qui te met en rogne? Kev. Allez, vas-y. Raconte-moi. Ah. J'ai été lamentable aujourd'hui. Les Krastox étaient sur le point de lâcher Krista. J'aurais dû faire ce qu'il faut pour la sauver, mais... Mais je me suis dégonflé. Enfin, c'est normal, ça. Qu'est-ce que t'espérais faire? Oh, tu parles d'un gamin contre ces deux énormes Krastox armés jusqu'aux dents. Mais c'est ça, le problème. Tout le monde ici me prend pour un gamin. Et en particulier Krista.
Balin, il y a réellement des dragons dans ton pays? Mais oui, bien entendu. Je suis fier d'ailleurs d'avoir eu le plaisir d'en supplicier un bon nom. Supplicier? Ah, tuer, saigner, embrocher, faire mordre la poussière. Évidemment, j'étais mieux armé qu'avec ce fruit. Christa, partir. Oh, mais je vais vous escorter, Milady. Non, pas besoin d'escorte. Akubane. Akubane. Une femme doit toujours être protégée. Dieu. Elle a disparu. Toujours faudra t'y faire. Aucune trace de ce crâne de fer. Oui, moi je n'aime pas ça du tout. Si on le trouve pas, Shang nous tuera. Pour vous, Milady Christa. Pour Milady Christa. Pour vous, Milady Christa. Oh non, ça donne. Pourrais-je répéter au calme? Pour vous, un dragon? Prépare-toi à mourir, ton compte est bon, dragon! Tasha! Balin, stop! Viens là, je t'en prie! Inutile d'avoir peur pour moi, damoiselle, je m'en vais étriper cette immonde créature! Non, laisse-la tranquille, tu te trompes! Arrête! Balin! Prudence, messire! Même jeune, un dragon est fort dangereux! C'est pas un dragon, Balin! C'est un dinosaure! Un dinosaure? Ouais, l'ami de ma sœur. Une gentille bête. Oh, pardonnez-moi, Annie. Je pensais bien faire. On te pardonne, t'inquiète pas. Tu es d'accord, Tasha? À partir de maintenant, faites-moi plaisir, sire Balin. Vous mettez l'épée dans son fourreau et vous ne la sortez plus, on est d'accord? Très bien, vous avez ma parole. Oh, je dois voir Milady Christa. Pourriez-vous me dire où elle demeure? Partout et nulle part. C'est dur de la trouver, mais on peut essayer. De quoi tu te mêles? Cela fait des heures que nous marchons et aucune trace d'elle. Où peut-elle bien être? Christa est comme le vent. Peut-être, mais c'est réelle folie que de vadrouiller dans ces contrées dangereuses sans escorte. Christa sait très bien ce qu'elle a à faire. Ça, j'en doute. Une dame a besoin d'un protecteur, d'un chevalier errant, expert en maniement d'armes. Parade, feinte, estocade. Bonjour l'expert. Bon. Il est tard, on devrait rentrer à la cabane. Oui, Balin. On reprendra les recherches demain, hein. C'est mieux. Ouais, je tiens pas du tout à me trouver ici en pleine nuit, ça craint trop. Ça craint trop. Vite, Balin, allons-nous-en. Non. Vous allez rentrer avec votre frère, Annie. Je crains que Milady ait besoin de moi. Je n'arrêterai mes recherches qu'une fois à ses côtés. Kevin, il faut que quelqu'un l'accompagne. Il a toutes les chances de se perdre sinon. Hey, je suis pas sa babysitter. C'est lui l'expert, le grand héros. Ok. C'est bon. C'est bon, j'y vais. Oh, Stink y allait aussi. Gamine est seul. Oui, c'est crâne de fer qu'on doit trouver, idiot. Ah oui, alors il est sûrement par là. Ah. Cette fois, pas de doute, c'est un dragon. Et un spécimen magnifique. Je le saignerai pour Milady. Il doit encore croire qu'il poursuit un dragon. Quel pitre, hein. Scarface? Oh mince, Balin va passer à la casserole.
qui vous prend? Lâchez-moi, je chasse le dragon! Laisse tomber, mon vieux! Le dragon que tu poursuis n'est pas un dragon! C'est un monstre bien réel, et il va te déchiqueter! Déchiqueter! Hop là! Donne-moi le grand couteau, crâne sans fer! Non! Là! Je l'ai! Donne-la-moi! Rendez-moi tout de suite cette épée, bande de chacal! C'est la mienne! Garfisson, il va nous manger! Non! Viens, je ne mourrai pas sans me battre! Viens, je t'attends, roi des dragons! Sois pas idiot, suis-moi, mon sang! Ça y est, il a filé. Encore un peu et on y passait, hein. Ton épée. Je te dois la vie, mon ami Kevin. Tu es brave comme un vrai chevalier. Toi aussi, Sir Balin? Non. Je ne pense pas être digne de pouvoir porter l'épée plus longtemps. Tu sais, c'est mon maître qui est chevalier. Un preux chevalier, d'ailleurs. Et moi, je ne suis qu'écuyer. Écuyer? Mais cette épée, cette armure? Elles appartiennent à mon maître. J'ai pris sa tenue pendant son sommeil et je suis allé dans les marais pour voir ce que ça faisait d'être un beau chevalier. Maintenant, je sais. Mais je sais aussi que jamais je n'aurai le cran d'en devenir un véritable. Mais tu fais un excellent chevalier. Rien ne t'oblige à me croire, bien sûr. Demande à Scarface. Tu l'as eu avec ça? Tu es sincère? Tout à fait, oui. C'est ce drôle de vent encore. Le brouillard. Je vais pouvoir repartir. Viens avec moi, Kevin. J'aimerais, mais... pas sans ma famille, et malheureusement, ce brouillard ne durera pas. Je dois rester. Oui, je comprends. Tu me manqueras, mon ami. Allez, top là. Dis-leur adieu de ma part, et donne un baiser à Milady Cristapo. Compte sur moi. Bonne chance, Balin. En témoignage de ma gratitude, tu m'honorerais. C'est lourd. Oh, Krista. Entendre Scarface avoir peur pour toi. C'est vrai? Est-ce que toi, allais bien? Ouais, ça baigne. Balin et moi, on a éjecté Scarface. Oh! Toi, être brave, Kevin Porter. Mais où est Balin? Balin est reparti dans son monde. D'ailleurs, je dois te donner un truc de sa part. Qu'est-ce que c'est?
Non, pas celui-là. Ah, voilà. Avec cet énorme roc, ça peut marcher. Ouais, sans doute. Il faut qu'on réussisse à pousser ce bloc de pierre dans le ravin. Ça bouchera le passage. C'est génial. Ça a beau être un volcan, le palais Kéo sera battu. Christa, regarde, l'énorme rocher. Tu le vois? Est-il possible d'y aller avec la voiture? Nous faire très vite. Palais Kéo exploser parfois. Je fais le copilote. Non, 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 Kev. Non, toi, tu restes. Mais pourquoi? Je veux qu'avec Annie, vous mettiez le maximum d'affaires dans la charrette et que vous les emmeniez chez Christa. Parce que si on n'arrive pas à stopper la lave et que notre maison est détruite, nous aurons au moins quelques affaires de sauver. Monte, Christa. Oh. S'il te plaît, papa, un pro du film doit toujours se trouver sur les lieux de l'action. Est-ce que Steven Spielberg promènerait une charrette pendant qu'un volcan est en pleine éruption? Jamais. Il ne s'agit pas d'un film. Nous dépendons de toi. Tu as une mission. À vos ordres, sergent. Général. Si tu veux. Allez, rendez-vous dans la grotte de Christa. Surtout, soyez prudent. Pas qu'on va finir le chemin à pied. On pourra jamais déplacer le rocher sans le 4x4. Rocher tout près. Nous pousser. Oh. La promenade te plaît, Tasha? Pas trop dur de pousser? Tu te marres bien, hein? Alors tout le monde doit se marrer, hein? On peut faire une pause? J'ai mal partout, moi. Partout, partout. Eh, la vie de déménageur, ma vieille, c'est pas de tout repos. Et puis, on est des héros, je te rappelle. C'est bien ça, non? Bon, on s'arrête. Tu peux dire tout ce que tu veux, Kevin, mais papa a bien raison. Nous menons une mission importante. Tu parles, il s'en fiche, ouais. Il est aux premières loges, lui. Il charrie pas de la vieille vaisselle. Ha, même un singe pourrait le faire. Un singe? Ah. Quelque chose approche. C'est Scarface. Je sais pas ce qui me prend de dire ça, mais vous allez attendre ici, à l'abri, et ensuite vous décamperez. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais servir d'appât. Quoi? Mais t'es fou! Oh, servir d'appât? C'est quoi, appât? Tu en as un devant toi. Bon, il faut que j'y aille. Reste là, c'est trop risqué! C'est le seul moyen, Annie. Bon. À un de ces jours. Hé, Scarface! Tu veux manger de la bonne viande? Viens me dévorer, tu vas te régaler! Approche, viens par ici goûter un steak de Kevin! Oh, tu m'entends? Approche, mon gros, t'as la trouille ou quoi? Ouais, je te fais peur, hein? Tu te dégonfles? Je suis sûr que t'es pas capable de me choper! Ça y est, Stink, il faut qu'on y aille! T'es sûr qu'il n'y a pas un autre chemin pour aller au rocher? Christa, sûr. Un seul chemin. Pas étonnant, quand ça va mal, en général, ça dure toute la journée. Oh, Porter, allez bien? Je serais bien mieux dans un jacuzzi. Jacuzzi? En Pakuni, jacuzzi vouloir dire longue vie. Ah, je crois que c'est mal barré. Vite, Porter, pas beaucoup de temps.
amis de l'aventure, bonjour. C'est Kevin Porter, le caméraman de l'impossible, qui vous parle en direct d'un monde perdu où le danger se trouve partout et où seuls les héros s'en sortent. Inutile de bidouiller votre téléviseur, les couleurs sont bonnes. La lave est réellement verte. Ça bouge. Pousse, vite. Presque, Christa, pousse encore. Oui. Plus fort. Plus fort. Maison à toi. Rien ne la sauvera plus maintenant. Partons. Je m'inquiète pour les enfants. Viens. Super. Ce reportage est exceptionnel. Vous êtes en train de vivre en direct l'éruption du Palais Keo. Par les Krastos. Je me demande à quoi ça servait. Une espèce de méga aimant. C'est vraiment très louche. Je me tire. Tu veux pas me laisser partir alors ? Hein ? Papa ! Papa ! Papa ! Annie ? Annie, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devais nous attendre à la grotte, avec Kev. Tasha y est, avec toutes nos affaires. Mais tu sais, je m'inquiète beaucoup pour Kevin. Pourquoi ? Où est-ce qu'il est ? On a été attaqué par Scarface. Il a failli nous tuer. C'est Kevin qui nous a sauvés. En poussant Scarface à le poursuivre. Mais il est toujours pas revenu. Scarface lui court après ? Kevin Porter est très malin. Et ça fait longtemps ? Au moins une heure. Stink, Kevin Porter partir quel chemin ? Par les Keo ! Par les Keo ! Tu nous guides ? Mais vite !
Dieu, tête de verre! Vieux Scarface. Mais où est Kevin? J'aimerais bien pouvoir te répondre. Il a quand même pas été mangé par Scarface? Non, non, ma petite crevette. Kevin est bien trop malin. C'est vrai. Scarface, avoir faim. Pas eu Kevin Porter. Pas eu? Pas mangé? Il doit se cacher quelque part. Faudrait qu'on arrive à le trouver. Oui, avant que Scarface ne le fasse. Kevin, t'es planqué? Kevin! Je suis là, t'entends? Kevin, réponds-moi! Je suis là, papa! Au secours, aidez-moi! Papa, c'est Kevin! Mais où est-il? Trou, à côté Scarface! Arriver à éloigner Scarface du bord du trou. On peut faire diversion, comme Kevin tout à l'heure. Servir papa, Stink, allez. Non, Stink. Non, non, c'est à moi de le faire. Non, danger, Porter. Rivière, feu, approchez. Papa, elle se dirige en plein sur Kevin. Faut que je trouve un moyen de sortir. Ne l'aime pas non plus. Rivière feu très proche. Bougez vite. Attendons une seconde. Scarface va partir. Ça y est. Allons-y. Bien vu, mais alors là, je pourrais jamais le croire.
dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être le cristal. C'est méga démon. Waouh, il n'en reste rien du tout. Qu'est-ce que c'était? Un bloc de cristal comme en Ashong. Il y avait un tas de petits lézards dessinés sur le pourtour. Krastox! Ça n'avait pourtant pas l'air malsain. Ah, du moins, au début. Ce cristal devait sûrement servir de réservoir d'énergie. L'ancienne civilisation Krastox en avait probablement installé un petit peu partout. Par exemple, pour alimenter en énergie leur maison. En tombant dans ce trou, tu l'as exposé au soleil. Peut-être qu'il guettait ce moment pour se remettre en action. Et ça a sauvé notre maison, alors? Oui. Hé, hey, il y a plus de bruit ici. Hein? Hein? Plus de bruit? On perd du temps avec tes discours. Alors, tu l'envoies à la balle? On n'est pas encore prêts. Ne fatigue pas, vous allez perdre. D'ailleurs, pour que le score final ne soit pas celui d'une vraie trempe, on vous donne une avance de 20 points. On n'a pas besoin de ta pitié. C'est vous qui allez prendre une trempe d'une trentaine de points. Oh oui. On a un défi à relever, Kev. Hein? Sois sérieux, papa. Regarde-les. C'est gagné d'avance. Est-ce qu'on peut faire un petit panier d'essais? Seulement, hein? Pour être prêt, il vous en faudra au moins 1 million. Rien qu'un. Alors, vous acceptez? Bien sûr, sans problème. Hop, hein. Allez. Allez, vas-y. Dans plat. Dans le panier. Génial. On commence quand? Le tremblement de terre lui a pas réussi. Qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt grave. Durite de radiateur arraché et rupture des fils d'allumage. Super. Et tu crois que tu pourras réparer? Bien sûr, ouais, mais ça prendra du temps. Oh mince, quel gâchis! Eh ben, quel bazar! Quel bazar! J'hallucine! Ma télé! Si jamais elle est... Sans ça, elle marche! Tu entends? C'est quoi ce bruit? C'est rien, excellente question. Papa! Ça recommence encore! Viens ici, vite! Accroupissez-vous! Protégez-vous! Main sur la tête! Le chat, protège-moi. Moi, j'en ai marre des tremblements de terre. Ouais, je crois mourir à chaque fois. Kev? Tasha, c'est fini. La télé. Ça y est. Elle a déjà fait un bruit pareil auparavant. Non. Pourquoi tu dis ça? Je suis pas sûr. Mais c'est drôle, j'ai comme l'impression que ces tremblements agissent sur ta télé. Je sais que ça n'a pas de sens. Non, un séisme normal n'influe en aucun cas sur l'électricité. Hé, papa, qu'y a-t-il de complètement normal ici? Ça peut paraître ridicule, mais... Mais une secousse nous a amenés dans ce monde. Alors peut-être bien... Ouais. Peut-être bien qu'une secousse... nous en sortira. Tu veux dire qu'on va rentrer à la maison? Repartir à San Francisco? Peut-être. Le premier tremblement de terre a ouvert une espèce de porte géante où nous sommes passés. Peut-être qu'un autre séisme va rouvrir une autre porte quelque part. Super! On va plier bagages alors! Mais comment on va savoir où? On prendra la télévision pour localiser l'épicentre du tremblement de terre. À mon avis, c'est là que se trouvera le passage vers notre ancien monde.
Le problème, c'est qu'il faut se déplacer vite. Cette porte n'est ouverte que pendant quelques minutes. Mais la voiture est en panne. Kev, combien de temps pour réparer? Je sais pas, au moins 2 heures. Tu as 30 minutes. 30 minutes? Tu sais, ça passera peut-être des années avant qu'une autre chance ne se présente. On ne peut pas rater une si belle occasion. Tu dis 30 minutes? Sans problème, papa, je peux y arriver. Allez au boulot. Hé, Stink. Essaie de trouver Krista et ramène-la ici très vite. Sans problème, je peux y arriver. Tasha, tu sais quoi? Tu vas aller dans notre monde. Annie. Écoute. J'ai peur que Tasha ne soit pas du voyage, Basse. Quoi? Oh non. Enfin, essaie de penser à ce qui va se passer. Un dinosaure dans notre civilisation. Jamais elle n'aura une belle vie. On la traitera comme un monstre, une curiosité scientifique. On la mettra au zoo où tout le monde l'embêtera. Et idem pour Stink. Tu veux pas qu'il soit malheureux, hein? Non. Ah, bien sûr. Ça m'ennuie, tu sais. Mais ici, elle sera mieux. Bon, je vais charger l'auto. Surtout ne le dis à personne, mais il n'est pas question que je vous abandonne. Ni toi, ni Stink. Je ne sais pas comment, mais vous rentrerez avec moi, Tasha. Akuba n'est pas... Oh, oh. Akuba n'est Krista. Blessée de tête. Qui, moi? Non. Oh, je vais bien, j'ai rien. Krista faire partir blessure. Kumi. Je crois que je vais me cogner plus souvent. Krista, merci d'être venue. Il faut qu'on parle. Stink dit revenir vite. Pourquoi, Porta? Bien, on va probablement rentrer. Aujourd'hui, on repart pour San Francisco. Et on aimerait que tu viennes avec nous. Ouais! On pourrait t'héberger. Enfin, jusqu'à ce que tu trouves un petit appartement. Non, Krista a refusé. Ici, maison à moi. Pense à tous les trucs qu'on pourra se payer. Boîte de nuit, concert, double cheeseburger, barquette géante de frites. Et tu te feras des amis. Avoir amis déjà? Bien sûr, nous comprenons très bien. Mais pense à ta vraie maison, ta famille, tes amis, ta ville. Dans le monde où on va, tu les retrouveras, mais pas ici. Non. Non, ici, maison. Ici, maison. Alors, c'est ton choix. Veux-tu au moins nous guider? Fort possible qu'on s'égare et personne ne connaît le terrain comme toi. D'accord, guider. Stink! Annie? Annie Porter? Juste à temps. C'est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à regarder d'où viennent ces vibrations. Oh, le signal est plus fort. Quand on tourne l'antenne par là, ça vient de l'ouest. C'est notre route. Allez, où est-elle? Hé, papa, je suis là. Yeah. Normalement, elle devrait partir. Ouais. T'es le meilleur des mécanos. Je rêve. On rentre enfin chez nous. Viens, prends la boussole, Kev. Je te guide. Oh, pauvre Tasha et Stink. Dire qu'on est partis sans même les embrasser. Ouais, ils vont manquer, ces deux zigotos. Ils étaient vraiment extra. Ouais. Extra? Pas de clandestins à bord. Clan quoi? Désolé, mes amis. Vous descendez.
s'il te plaît. Papa, on ne peut pas les laisser là. Mais il le faut, Annie, et tu sais pourquoi. Non, c'est pas juste. Annie, ce serait mille fois plus injuste de les emmener dans notre monde. Ah, ma puce. Ils en mourraient. Papa a raison. Rappelle-toi ce qui est arrivé à E.T. E.T. Annie, Christa s'occupait toujours Tasha et Stig. Promettre. Tasha, je pars, mais jamais je t'oublierai. Je t'aime. Toi aussi, Stig. Serre-moi très fort. Je t'aime, Annie Porter. Aussi, Tom Porter. Y a pas à dire, tu sais comment toucher un homme. Fais attention à toi, Tasha. Cet endroit, Christa? Non. Jamais vu avant. On peut plus se fier qu'à la boussole. Surveille-la bien, Annie. T'en fais pas. Un nouveau tremblement de terre se prépare. Le signal, d'où il vient? Il change de direction. Plus sur ta droite. Annie, donne-nous le cap, chérie. Ok. Attention, on est tout prêt. Non, alors je vais par où? Par là, c'est plein sud. Stink, Tasha, bien aller à Annie Porter. Oui, je sais. Je les aime. Toi, raison. C'est une trompe. Par là. Top. Par des crapauds. Ami à moi.
le pont. On est en plein milieu du tremblement de terre. Regardez! Elle est là, papa! Waouh! C'est la porte de sortie! Cette fois, c'est gagné! Et on y va à pied. Prenez tout ce que vous pouvez. Surtout pas. C'est trop dangereux. Scarface, on va jouer au baseball tous les deux. On devrait faire quelque chose. Oui, mais quoi? Il nous a dit de ne pas bouger. Peut-être qu'on peut réparer le 4x4? Ouais, c'est une excellente idée. Hé, hey, gros là, t'as peur de tonton, amène-toi par là. Va me chercher le ruban adhésif. Approche, Scarface. Pourquoi tu t'en prends des plus petits que toi? Viens te mesurer à moi. Alors, je t'attends. Viens me chercher. Reste pas comme ça. T'es constipé ou tu meurs de trouille? Allez, vas-y, essaie. Je suis là, regarde, coucou, 80 kilos de muscles d'acier. Ça t'impressionne, hein? Bon alors, tu te décides, oui ou non? Attrape-moi! Ça y est! Réussi, on allait enfin repartir. Ce n'est pas si grave. Sûrement qu'on aura un jour une autre casse, pas vrai, Annie? Si, bien sûr. Par contre, des Tasha et des Sting, il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est bien dit. Ils sont uniques, ces deux. Si content. Dans quel état est la voiture?
c'est pas joli à voir. Les fils électriques ont l'air de spaghettis brûlés. Ah. Mais c'est réparable? Ouais, mais faut du temps. Faudra au moins 2 ans. Tant mieux. On aura au moins un moment de repos. Jusqu'à ce que s'ouvre une nouvelle porte. Super programme. Dis, papa. Eh? Je peux te poser une question? Bien sûr, chérie. Tu voudras bien qu'on emmène ta châle le jour où on partira pour San Francisco? Absolument. Viens ici, toi, ma jolie. Ta châle. La prochaine fois, on t'emmène, ok? C'est une promesse. Hé, hey, Tash, regarde un peu. Ah oh. Retrouvez les aventures de tous nos amis dans Les Diaboliques. Allez!